Salut la ressourcerie, bonjour les amis, bienvenue dans notre programme Tabata. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, un spécial sangle abdominale et on va bien faire trail cardio avec les grimpés montagnes. On se met en position de planche pour activer nos abdominaux et on vient ramener les genoux entre les coudes pour activer vos abdominaux et faire monter le cardio. Si vous avez besoin d'un échauffement, je vous rappelle notre petite routine d'échauffement. Sinon, on démarre tout de suite, juste le temps de préparer comme d'habitude. Vous allez me dire mon timer, oui. On démarre dans 10 secondes. Allez, on va être essentiellement au sol, en position planche. Je ramène un genou puis l'autre. Donc je suis en planche, mon bassin pas trop haut. Donc mon genou, je le ramène entre mes coudes. Il faut que je laisse glisser mon genou le long du sol. Sinon, j'aurai tendance à monter mon bassin. Et je vais moins bien travailler mes abdominaux. Superbe. Essaye de pas trop monter le bassin. Tu ne dois pas être en pyramide. C'est vraiment d'être à l'horizontale. Et pour cela, il faut que les genoux restent proches du sol. Proche du sol. Sinon, si je suis là, j'aurais tendance à monter le bassin. Reste proche du sol, c'est mieux. Hop, hop. Inspire. Un genou puis l'autre. Un genou. Je ramène à chaque fois le pied, le dos bien droit. Si tu veux mettre une dimension plus cardio, la suite, je te propose de switcher les jambes. Droite, gauche, droite, gauche. Je fais droite et puis gauche, droite et puis gauche. Hop, hop, hop. Oui, j'ai toujours une jambe qui est en extension. Et là, comme il y a plus de rythme dans mes jambes, ça va faire monter mon cardio. Ok, on en est à 3. Maintenant, j'aime bien à peu près à la moitié, voir combien on peut faire de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46. 40. Ça pique bien. On est capable de faire quand même 46 mountain climbers. Allez, on repart déjà. Et on sent en même temps les abdominaux, mais aussi les épaules. Le fait d'être en position de planche, vous sentez l'action dans vos épaules. Encore plus quand on alterne les jambes, puisqu'il y a plus de poids du corps dans le haut. Si vous ramenez les pieds au sol, vous restabilisez votre corps avec les jambes, il y a moins d'impact dans les épaules. Si vous avez trop de travail dans vos épaules, il faut, si je sens trop mes épaules, il faut que je prenne le temps de ramener mon pied pour restabiliser. Et en plus, ça me permet de mettre moins d'impact dans mes abdos, dans mes épaules, et plus d'impact, pardon, dans mes abdos. Ok, on en a 6, je crois. 2. 2 pour terminer. Comme on est sur la fin, sprint final, on essaie de faire à nouveau 40. 1, 2, 3. Allez, je vais essayer de faire à nouveau pas loin de mes 46. Il y a la fatigue, seulement 43. Bonne nouvelle, dernier tour, on donne tout, sprint final. Courage les amis. Tabata c'est court, il faut que ça soit intense, il faut vraiment tout donner pendant 4 minutes. Allez, je lâche pas, il me reste 8 secondes. Ok, ça brûle, c'est ce qui est sympa avec ce programme, c'est intense mais on sait qu'on aura des résultats. C'est terminé pour ce programme Tabata Mountain Climbers, à demain pour un prochain Tabata, salut la ressourcerie.